Commençons ensemble cette séance dans une posture assise qui t'est confortable. Deux mains déposées sur les jambes et tu peux laisser tes paupières se fermer. Prends quelques respirations ici pour arriver sur ton tapis dans cet instant. Sur ton inspiration, ressens ta colonne vertébrale qui s'allonge. Sur ton expiration, relaxe tes épaules, les roulant légèrement vers l'arrière. Tu ressens alors de l'espace se créer autour de ta nuque. Prends ici trois belles respirations. Remplis ton ventre, ta cage thoracique, ta poitrine. Expire, relâche. Encore deux fois, inspire, ventre, cage thoracique, poitrine. Expire. Une dernière, inspire. Remplis tout ton corps de cet air pur. Ventre, cage thoracique, poitrine. Expire, relâche complètement. Joins à présent tes mains en prière devant ton cœur. Inspire, envoie ton namasté vers le ciel, tends tes bras. Sur l'expiration, ouvre tes bras sur le côté, dessine un grand cercle. Joins à nouveau tes mains devant ton cœur et à nouveau, envoie tes bras vers le ciel, allonge. Et sur l'expiration, tu les relâches sur le côté. Et continue le grand cercle en suivant le rythme de ta respiration. Sur ta prochaine expiration, dépose ta main gauche sur ta cuisse droite, main droite à l'arrière pour ouvrir dans ta torsion. Depuis la base de ton périnée, inspire, allonge ta colonne vertébrale. Après ta prochaine expiration, renvoie tes bras vers le ciel, allonge. Expire, dépose ta main droite sur ta cuisse gauche, main gauche à l'arrière dans le sol. Inspire depuis la base de ton coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Sur ton expiration, renvoie tes bras vers le ciel. Et à nouveau à gauche. Regarde au-dessus de l'épaule. Une dernière fois vers le ciel. Et on tourne à droite. Main droite sur la cuisse gauche. Puis relâche. Passe à présent à quatre pattes. Vérifie que tes mains sont bien en dessous de tes épaules. Tes pieds sont flex pour être bien stable. Sur ton inspiration, en poussant dans le sol, arche ton dos. Lève ton regard vers le ciel. Roule les épaules vers l'arrière. Crée de l'espace. Sur ton expiration, protracte en ramenant ton nombril et ton menton vers l'intérieur. Et continue ainsi quelques 4 KO pour réveiller ton corps, ta colonne vertébrale. Encore un, inspire, tu ouvres. Expire, tu arrondis. Retrouve un dos neutre et dépose tes fessiers sur tes talons. Si c'est trop ici pour tes pieds, tu peux les pointer. Ouvre tes 10 doigts et dépose tes paumes de main dans ton tapis. Presse la base de tes index dans le sol et envoie tes hanches à l'arrière dans ton chien tête en bas. Maintiens ici tes jambes pliées et en poussant dans le sol, ressens tes épaules s'ouvrir, ton ventre se connecter à tes cuisses. Doucement, en gardant cette connexion, tends tes jambes. Trouver ton maximum. Si tes jambes restent micro-pliées, pliées, c'est très bien. Ce qui est important, c'est que ton dos soit droit. Lève tes talons très haut.
ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Puis sur ta prochaine expiration, relâche à nouveau tes genoux dans ton tapis. Monte sur le bout de tes doigts si nécessaire et dépose ton pied droit à l'extérieur de ta main droite, ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Relâche tes hanches vers la terre, soit tes mains restent dans le sol, soit tu peux connecter tes paumes de main en prière devant ton cœur. Puis retends doucement tes jambes jusqu'à ton maximum et bascule ton buste vers l'avant. Attrape tes coudes opposés et bascule de gauche à droite, en relâchant dans ta nuque, tête lourde, épaules qui relâchent vers la terre. Redépose tes mains dans le sol en pliant autant que nécessaire tes jambes. Puis place tes pieds à la largeur de tes hanches. Relâche le dos de tes mains dans ton tapis, paume de main qui tourne vers le ciel. Depuis la base de ton coccyx, déroule vertèbre par vertèbre pour te relever en envoyant tes bras vers le ciel. Sur l'expiration, joins tes mains en prière devant ton cœur. Une deuxième fois, inspire vers le ciel. Grand cercle en ouvrant dans tes épaules. Expire, connecte tes mains devant ton cœur et assieds-toi dans ta chaise en pliant tes jambes beaucoup. Laisse tes mains l'une contre l'autre et tire tes coudes sur le côté. Assieds-toi encore un petit peu plus bas et en utilisant ici peut-être tes mains derrière toi, viens trouver une position assise sur ton tapis. Bascule ton buste vers l'arrière, poitrine bien ouverte vers l'avant. Attrape tes cuisses par l'arrière et lève tes jambes à 90 degrés pour la posture du bateau. Option 1, tu restes ici. Option 2, tu tends tes bras parallèles à ton corps, paume de main tournée vers le ciel. Inspire, ouvre grand dans ta poitrine. Respire. Et sur ta prochaine expiration, plante tes pieds dans le sol. Attrape tes genoux par l'extérieur. Inspire, tire ta poitrine vers l'avant, roule tes épaules vers l'arrière. Expire, arrondis ton cœur et pousse ton nombril vers l'intérieur contre ta colonne vertébrale. Encore, inspire, tu arches. Expire, tu arrondis. Continue. Dépose tes mains derrière toi, doigts qui pointent vers l'avant. Bascule ton poids vers l'arrière et relève tes jambes à 90 degrés. Croise tes pieds et bascule ton poids vers l'avant. Pousse dans tes mains et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Plie tes genoux. Et retends-les. Regarde entre tes deux pouces et place ton pied droit entre tes deux mains. Relâche doucement ton genou arrière dans ton tapis et en poussant fort dans ton pied droit, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre pour envoyer en dernier tes bras vers le ciel. Joins tes mains en prière devant ton cœur. À nouveau, inspire bras vers le ciel, allonge. Expire, tu les joins devant ton cœur. Presse fort dans tes orteils à l'arrière pour tendre ta jambe gauche et rentrer dans ta fente haute. Assieds-toi bien bas en t'assurant que ton genou à l'avant est juste au-dessus de ton talon. Ressens la chaleur dans tes jambes, tes deux hanches bien parallèles. Relaxe ton genou arrière dans ton tapis, place tes deux mains autour de ton pied à l'avant et viens glisser ton genou gauche juste derrière ton talon droit. Dépose ensuite ta hanche gauche dans ton tapis. Main droite à l'arrière, envoie ton bras gauche vers le ciel. Inspire, étire le flanc gauche de ton corps. Puis viens envelopper ta jambe avec ton bras gauche pour entrer dans ta torsion. Regarde au-dessus de ton épaule droite.
Inspire, tu allonges dans ta colonne. Expire, tu twists. Puis relâche. Fais le chemin inverse, bascule ta jambe droite à l'arrière et repousse-toi dans une posture à quatre pattes. Envoie tes hanches à l'arrière dans ton chien tête en bas. Tire tes talons vers la terre, puis lève-les très haut. Et à nouveau, du bas vers le haut. Regarde à nouveau entre tes deux mains et place cette fois-ci ton pied gauche. Relâche ton genou arrière dans ton tapis et en prenant appui sur tes deux pieds, pousse dans le sol et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, envoie tes bras vers le ciel, allonge. Expire, joins tes mains devant ton cœur. Et à nouveau de grands cercles avec tes bras vers le ciel. Et devant ton cœur. Presse tes orteils forts à l'arrière dans ton tapis et tends ta jambe droite pour ta fente haute. Relève ton buste et tire ta hanche gauche vers l'arrière. Ressens tes deux hanches bien parallèles. Redépose doucement tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Relâche ton genou dans ton tapis et fais glisser ce genou juste derrière ton talon. Enveloppe ta jambe gauche avec ton bras droit. Main gauche à l'arrière pour allonger dans ton buste. Puis relâche. Bascule ta jambe gauche à l'arrière et retrouve une posture à quatre pattes. Dépose tes fessiers sur tes talons, bras tendus vers l'avant. Pour Balasana, la posture de l'enfant, front connecté à la terre. Bascule tes épaules vers l'avant en gardant tes avant-bras connectés dans ton tapis, puis vers l'arrière. À nouveau, d'avant, en arrière, pour sentir l'ouverture dans tes épaules. Redépose tes fessiers sur tes talons et forme un petit coussin avec tes deux mains pour déposer ton front dessus. Un instant pour ressentir ce point de connexion. Il te permet alors de détendre les expressions sur ton visage, te permettant de te libérer de toute tension que tu maintiens dans ton corps. Retrouve de la fluidité dans ton souffle. Inspire par ton nez. Et sur ta prochaine expiration, fais du bruit par ta bouche, relâche. Attrape tes talons par l'extérieur et roule sur le sommet de ton crâne en levant tes hanches vers le ciel. Assure-toi d'être bien sur le sommet de ton crâne, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, pour protéger ta nuque. Puis redépose. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Laisse le bout de tes doigts juste derrière toi. Inspire, arche ton dos, pousse ta poitrine vers l'avant et laisse ton regard s'élever vers le ciel. Sur ton expiration, relâche. Dépose ta main droite à droite de ton corps et en envoyant ton bras gauche vers le ciel, penche sur la droite. Puis pousse dans ta main droite et passe de l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit le long de ton oreille. Puis reviens au centre. Enroule ton bras droit en dessous de ton bras gauche. Inspire pour tirer tes coudes vers le ciel. Ouvre dans ta poitrine, relâche dans tes épaules. Expire pour arrondir en ramenant tout vers l'intérieur. Ressors et change de côté. Enroule cette fois-ci ton bras gauche en dessous du bras droit. Inspire, tire tes bras vers le ciel. Expire, enroule. Ressens l'arrière de ton cœur qui s'arrondit.
puis relâche. Repasse à quatre pattes, fessiers sur tes talons. Ouvre tes genoux à la largeur de ton tapis et reforme un petit coussin avec tes mains pour redéposer ton front sur tes mains. En quelques respirations ici, relâchez ton mental, apaisez ta respiration. Connecte-toi à cet instant présent pour accueillir la sérénité et le calme en toi. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre et envoie tes jambes devant toi pour trouver une position allongée sur ton dos. Ramène tes genoux à ta poitrine. Et fais des bascules de gauche à droite, peut-être en enlaçant tes genoux avec l'intérieur de tes côtes. Ferme tes yeux et accueille cette fin de pratique comme un moment de relaxation, de retour à toi-même. Une fois que ton corps est prêt, relâche tes jambes et trouve ta posture finale, Shavasana. N'hésite pas à te couvrir si tu as peur d'attraper froid. Une grande inspiration par ton nez. Ressens ton ventre, ta cage thoracique, ta poitrine qui se gonfle. Chemin inverse, tu expires par ta bouche et tu relâches. Étendant alors tout ton corps. Ressentant l'eau comme attirée vers la terre.
Commence à approfondir ta respiration. Retrouvez du mouvement dans tes doigts, tes orteils. Bouge ta tête à gauche, puis à droite. Si ton corps t'y invite, entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi comme un second réveil. Tourne-toi à présent sur le flanc gauche de ton corps. En gardant tes yeux fermés, repose-toi pour trouver une posture assise confortable. Place tes deux mains sur ton cœur. Prends un instant ici pour honorer ce moment, pour te remercier d'avoir créé du temps, de l'espace pour ta pratique aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint sur ton tapis aujourd'hui. De mon cœur vers le tien. Namasté. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. N'hésite pas à activer les notifications et à t'abonner pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Et si tu souhaites poursuivre ton voyage à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer gratuitement toute la plateforme pendant 7 jours. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite.